Grondez le tonnerre, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes. La voix de l'Éternel brise les sels. Yahweh, 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 l'Éternel sur son trône règne. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Je vais reprendre. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Personne sur cette terre-là pourra enlever son titre de Seigneur Sauveur. Il n'y a pas quelqu'un pour lui. Tu veux ou tu ne veux pas, là, mon frère, ma soeur, il va rester Seigneur. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas, là. Il restera toujours Seigneur. Je vais remettre la musique après. Je vais faire quelque chose rapidement, là, l'ordinateur un peu, chose, donc... Jésus est Seigneur. Alléluia. Si tu n'arrives pas à croire, prie. Demande à Dieu de l'aide. Et Dieu t'aidera à croire qu'il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ok? Que Dieu vous bénisse. J'attends un peu là. C'est un peu long. Je suis en train de partager là. Donnez-moi une seconde. On va mettre notre musique. La voix
voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Yahweh, 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 Yahweh. L'Éternel sur son trône règne. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh règne éternellement. Se passe. Si ça continue de déconner, je vais couper. I think that's why it's okay. Just leave the internet alone for now. Ok. C'est pas vrai. Ah, oh, c'est pas vrai. Ok. Je vais laisser ça. J'aurais dû aller sur YouTube. Ok. Ok, je laisse tomber. Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler comme ça, ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. C'est l'homme lui-même qui se limite, ok? Sinon, Dieu n'est pas limité. C'est l'homme. L'homme lui-même qui se limite. Dieu n'est pas limité. Donc, on peut aller loin avec Dieu, ok? On peut aller loin avec Dieu, donc faut pas accuser quelqu'un. Si tu veux évoluer, si tu veux avancer, on cherche la face de Dieu et tu pourras aller très loin avec Dieu. Ok? Donc c'est l'homme lui-même. Si tu te lèves pas avec ta foi et chercher Dieu, c'est toi
C'est toi-même qui te limites. Dieu n'est pas... C'est au fait à ton niveau qu'il va te... Vous voyez, qu'il va te traiter. C'est là où tu peux comprendre des choses comme ça. Dieu n'est pas limité. C'est l'homme lui-même qui se limite. OK? Il y a des choses que moi, je crois à ça. Je crois que Dieu est capable. OK? C'est ma foi qui m'amène loin, quoi. C'est ma foi. Donc, de la façon que je crois que Dieu n'est pas limité, c'est là-bas que je m'en vais avec lui. Donc, si tu le limites, tu vas rester bas. OK? Ça dépend de ta foi. Tu veux aller très loin, tu vas aller très loin. Tu veux te limiter, tu seras limité. Dieu n'est pas limité, c'est l'homme lui-même qui se limite. OK? Donc, hier, je suis tombée sur une vidéo. Ben, je vais parler de ça et puis après parler de quelque chose d'autre rapidement. Je vais parler de l'attaque du diable. OK? Donc, hier, j'étais là et puis je suis tombée sur une vidéo. OK, je ne vais pas dire le nom du pasteur, je ne me rappelle même pas de son nom, OK? Un pasteur congolais, OK? Qui a été arrêté, à Ottawa, je pense qu'il est à Ottawa, OK? Le pasteur, là, je l'ai su, j'ai même partagé, il a même sa vidéo même sur ma page, OK? Je l'ai su et tout ça. Donc, je suis tombée sur la vidéo et j'étais choquée, quoi, OK? Dans l'histoire, c'est comme s'il a harcelé quelqu'un, une fille de 14 ans. Donc, je suis tombée sur une vidéo d'une fille, c'est une Congolaise qui aime parler des stars, des choses comme ça, OK? En tout cas, moi, j'aime, OK, quand elle amène des news comme ça, OK, parce que souvent, je ne regarde pas trop la télé, OK? Je suis plus sur Facebook ou bien je ne regarde même pas la télé. Donc, quand il y a les choses comme ça, là, ben, souvent, c'est elle qui, OK, elle amène et puis on regarde. Mais je ne suis pas dans les stars des choses, non. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, OK? Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. C'est Dieu seul qui sait ce qui s'est vraiment passé. OK? Aujourd'hui, on l'a arrêté. OK? On a arrêté. Elle a même montré la vidéo. Je pense que ben, ceux qui le connaissent, ils sont au courant. Et c'est dommage. OK? Moi, je ne l'accuse pas. OK? Je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Mais ce que je veux dire... L'histoire a commencé en 2000, oui, c'est ce que j'ai vu, 2019, OK? Donc, ça fait 17 ans, OK? 17 ans de cela. Donc, on ne sait pas. Si le problème, en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide, on ne sait pas si le problème, lorsque, vous voyez, moi, Chantal, par exemple, en 2002, là, je n'étais pas sauvée. OK? Je n'étais pas sauvée. Imagine si j'étais un homme. Et ce que j'ai sémé dans ma vie, OK? Ça me rattrape. Donc, on ne connaît pas vraiment l'histoire. Donc, ça peut être le moment qu'il n'était pas sauvé. OK? Maintenant, quand il parle, on sait qu'il est vraiment assis dans la foi. Donc, faisons attention au jugement. Moi, en 2002, là, je n'étais pas sauvé. Lorsque j'ai commencé à être en danger... En 2006, lorsque moi-même je me suis déplacée pour aller consulter le fétiche, pour aller même
adoré le... C'est là, moi, j'ai eu des problèmes. Et j'ai appelé Dieu au secours. J'allais mourir. Donc, en 2002, là, je n'étais pas sauvée. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il était sauvé? Est-ce qu'il connaissait Dieu avant? OK? Parce qu'il connaissait, ça fait 17 ans. Ce monsieur a changé, il n'est plus la même personne. Il n'est plus la même personne. Il prêche très bien. Il n'est plus la même personne. OK? Les choses anciennes ont passé, les choses sont devenues nouvelles. Faisons attention au jugement. OK? Et on ne parle pas de sexe. On parle d'harcèlement, OK? On ne parle pas vraiment de sexe, OK? Donc, on parle de parole. On ne sait pas ce qu'il a fait. OK? Donc, la parole dit que... si vous devez, quand tu dois à quelqu'un, lorsque tu dois à quelqu'un, tu vas rembourser la dette jusqu'au dernier... comment on appelle? Jusqu'au dernier centime, lorsque tu dois à quelqu'un, ok? On ne sait pas ce qu'il a dit, si les mauvaises paroles sont sorties de sa bouche. On ne sait pas ce qu'il a dit. Moi, Chantal, lorsque Dieu il a commencé à me réveiller, ok, me réveiller avec tout ce que j'avais fait, l'Esprit de Dieu me conduisait, l'Esprit de Dieu me disait, appelle telle personne, appelle telle, mais pas ce que j'ai dit aux gens. Je devais appeler pour demander pardon. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit. Ok, on ne sait pas si lui il a fait ça, parce que c'est comme tu dois à quelqu'un. Tu dois à quelqu'un. Peut-être il a dit une parole, peut-être il a fait quelque chose. Il devait demander pardon. C'est comme ça, moi. Ils étaient beaucoup, ok? Et j'ai dit, lorsque l'Esprit de Dieu a commencé à me conduire, à me parler, appelle, je prenais mon téléphone et j'appelais les gens que j'ai offensés, ok? Si c'est moi seul, je n'allais jamais demander pardon. Si c'est moi seul, ok? Parce que toujours, on se donne nous-mêmes. Et la personne a fait ça, c'est pour ça que j'ai fait ça, vous voyez? Donc, comme c'est l'Esprit de Dieu qui me conduisait, à un moment donné, j'ai dit, mais... Donc, ils sont beaucoup, alors, vous voyez, quand j'ai dit. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je fais mon travail, il faut faire pour toi. Donc, je me suis tue et j'ai commencé à... Il me rappelle ce que j'ai fait et il me dit, appelle, et j'appelle. J'ai même appelé au pays sur ce que j'ai offensé. Ah, c'est ma bouche là, vous voyez, quand quelqu'un n'est pas sauvé là. La parole dit, nous sommes des hommes animaux. Hein? C'est comme le diable en personne. Donc quand tu ouvres ta bouche, ce que tu dis là, c'est satanique. C'est pour cela, quand tu fais du mal en parole, il faut appeler pour t'excuser. Donc, vous voyez, tu dois rembourser tes dettes jusqu'au dernier centime. Vous voyez, quelque chose qu'il a fait, je ne sais pas c'est quoi. En 2002, ça l'a rattrapé. Maintenant qu'il est sauvé, maintenant que ça va là, c'est venu l'attraper. Mais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ok? Dieu, il est au contrôle, tout ce que je peux dire. Souvent, peut-être il y a des gens en prison là-bas que Dieu veut aider. Si Dieu a permis que vraiment on le met en prison, ok? Peut-être il y a des gens qui doivent aller évangéliser en prison. Il y a des gens qui doivent aller prier pour eux en prison. Ça aussi, ok? Ou bien, avec Dieu, si c'est l'orgueil qui est là, il va le briser aussi. Il faut un brisement, ok? Tout ça là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, lorsqu'il va sortir dans cette situation-là, il peut devenir plus fort encore. Plus que vainqueur. Il va apprendre plein de choses. Dieu va les dire, ok? Moi, c'est ça. Si Dieu l'a laissé aller, c'est qu'il a un plan. S'il ne l'a pas... S'il n'a pas empêché ça,
c'est qu'il a un plan, c'est qu'il veut le rendre fort. Ok? Donc, on n'est pas parfait. Ce qui est sûr, Dieu, il est au contrôle, parce que c'est quelqu'un que j'écoute, et ces messages-là, c'est puissant. Alors, je pense que ben, ce sont des choses qu'il a fait quand il était pécheur. Je ne sais pas c'est quelle chose, on ne dit pas vraiment. Et je sais que ben, Dieu, il est au contrôle. Et si c'est un brisement, Dieu va vraiment le briser. Ça veut dire que tu vas... il va te briser bien même. Et quand tu vas sortir de là, tu vas être ample, tu vas être fort, ok? Donc, c'est tout ce que je peux dire. C'est pas parce que un pasteur, un vrai pasteur a allé en prison, si Dieu, ok? Si Dieu est avec le pasteur, ça veut dire qu'il y a des leçons à apprendre, il y a quelque chose qu'il veut faire, ok? Sinon, Dieu, il est puissant. Il peut arrêter ça. Il peut l'empêcher d'aller en prison. Il peut le faire. Mais s'il a permis, il faut lui rendre gloire. Et laissons Dieu faire son travail. C'est tout ce que je peux dire pour ce pasteur. En tout cas, que le Saint-Esprit l'aide, que Dieu lui donne la force à sa famille et tout. Ceux qui l'ont mis en prison, que Dieu les aide à vraiment pardonner ce qu'il a fait. Ok, c'est tout ce que je peux dire. Ok, donc j'étais un peu choquée parce que une fois il parlait de autre chose là. Donc lorsqu'ils l'ont mis, j'ai cru que c'est ce qu'il disait des PD, c'est pour cela des homosexualités, des choses. J'ai cru que c'était de ça, mais c'est autre chose. C'est pas ça. C'est comme si une fille de 14 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ok. Donc, bref, ce qui est sur Jésus, tant que Jésus est Seigneur dans ta vie, tant qu'il est le maître, ok, partout où tu seras, tu vas être plus que vainqueur. Partout où on te mettra, tu es toujours béni. Tu es toujours béni. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est... peut-être, c'est pour t'enseigner quelque chose ou bien Dieu veut t'emmener à un autre niveau de gloire. Ah oui, il y a des choses comme ça là, souvent c'est pour t'emmener à un autre niveau de gloire, de puissance, des choses comme ça, ok? Donc, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. C'était un peu choquant là, mais de voir un homme de Dieu vraiment connu et c'est un peu choquant. Ok, donc je vais parler un peu de... Attendez, je vais... ce que je voulais dire, mon message même là, c'était quoi là? Ok. Dans la vie... Ok, c'est dit ici, Jésus leur dit, je parle d'un autre message, ok? Jésus leur dit dans Luc 10, verset 18, Luc 10, verset 18, ils ont mis verset 20 là, je ne sais pas. Ok, oui, c'est verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Boum, comme ça. Je voyais, j'ai vu Satan tomber du ciel. Est-ce que tu as vaincu Satan dans ta vie? Lui, il a vu Satan tomber du ciel. Il a été vaincu dans sa vie. Ok? Dieu l'a jeté comme ça. Ok? C'est pas Dieu, ce sont les anges. Ok? Je veux dire que Dieu s'est occupé du diable. Il s'est vraiment occupé du diable. Il est tombé comme ça. Ok? Vers nous. Sur la terre. Ok? Donc, souvent, vous m'avez entendu dire, moi, dans mes finances, Satan m'a eu. Ok? Je voulais partager quelque chose là.
Ok, je vais découper ça là. Je vais partager quelque chose comme un exemple. Ok. Ok, vous avez entendu dire que moi j'ai côté finance là, ça ne va pas tellement. Donc, ok, je ne l'ai pas encore jeté, ok. La parole dit, Jésus leur dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez? Donc le diable, nous devons le vaincre dans nous-mêmes, notre propre vie. Dieu l'a fait au ciel. Ok, à notre tour, ok, je vais finir de lire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ok? Donc moi, ok, j'ai bien dit moi, Satan il a mis le désordre dans mes finances parce que je n'avais pas la connaissance, c'est pour cela qu'il m'a eu. Ok, maintenant j'ai la connaissance, mais je dois bien me préparer. Ok, maintenant je sais quoi faire, mais c'est pas facile. Ok, ce qui est sûr, lorsque je me suis rendu compte, il m'a déjà eu. Ok, comment il a fait, je voulais pas montrer, faire l'exemple là, vous voyez. C'est comme, vous voyez, c'est comme ça, c'est mon argent, quoi. Ce que je fais, ok? Ce que je fais chaque fin du mois, ce que je gagne chaque fin du mois. Ok? Ça, c'est mon argent. Et ce que je gagne chaque fin du mois, là, je prends ça pour honorer Dieu avec mes finances. Et à partir de ça, Dieu me bénit. Lui, il connaît ça. Il maîtrise ceci. Satan maîtrise ça. Ok? Ce que tu gagnes, là, c'est ça. C'est à partir de ce que tu as dans ta main. Ok? Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez dans votre main? Et c'est ce que tu as dans ta main. C'est ça, là, Dieu prend. Tu prends ça pour honorer Dieu. Et à partir de là, Dieu te bénit. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Ok? Il m'amène les gens. Je n'avais pas la connaissance. Il m'a amené les gens. Il me dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et moi, je disais, oui, oui, oui. Donc, ce que je gagne là, avant que ça n'arrive là, c'est fini sur la route. Donc, c'est comme... Ok, c'est comme les buveurs, ceux qui sont sous là, là. Souvent, leur argent là, c'est... Ils prennent les boissons. Moi, c'est pas ça, ok, je donne l'exemple. Il prend le crédit de boisson, donc avant que l'argent ne vienne, tout est parti. Ok, avant que mon argent ne vienne, c'est déjà fini en route. Ok, donc il attaque l'argent, il attaque tes finances. Je n'étais pas prudente, je ne savais pas, je n'avais pas la connaissance à qui il faut dire oui et à qui il faut dire non, qui il faut aider, qui il ne faut pas aider. Maintenant, j'ai cette connaissance-là. OK? Donc, voici ça. C'est comme si mon argent a été versé comme ça. OK? C'est parti. C'est envolé. Chaque fin du mois, je ne reçois plus rien. Parce qu'il m'a eu. OK? Parce qu'il m'a eu. Et ça peut être la même chose aussi dans ta vie. Donc c'est pour cela que je dis, la parole dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans ta vie là, c'est comme ça, il doit être tombé, il doit être vaincu
Ok? Il doit être vaincu comme ça dans ta vie. Tomber du ciel, comme un, ça veut dire que c'était fini, quoi. Il ne pouvait pas, ok? Il ne peut pas régner au ciel. On a mis fin à sa vie au ciel là-bas. Fin à son règne. Il ne peut pas régner au ciel. C'est comme ça que tu dois le vaincre dans ta vie. Cherche les connaissances. Moi, j'ai la connaissance. J'ai la connaissance qu'il faut pour bien le bombarder. Ok? Donc, pour bien le bombarder, j'ai une parole que j'avais mis ici là. Ok, je cherche une parole que j'ai écrite. Bon, comment on peut régler les problèmes? Comment on peut régler les problèmes? Comment on peut régler ces genres de problèmes? Tous sortes de problèmes. Comment on peut régler les problèmes? Pour régler un problème, il faut être. Ok? Il faut être en communion avec Dieu. Il faut être connecté à Dieu. Ok? Il faut être en communion. Il faut être connecté pour vaincre Satan. C'est moi, si je dis je vais le faire, c'est parce que Dieu m'a montré la connaissance. Sinon, moi-même, je ne peux même pas. Ok? Sans la puissance de Dieu, je ne peux pas. Ok? Donc, comment on peut vaincre un problème? Pour vaincre un problème, il faut être connecté à Dieu. Il faut être branché, ok? Il ne faut pas être déconnecté, il faut être connecté à Dieu. Il faut parler à Dieu. C'est lui qui sait comment vaincre Satan. Ok? Moi, je peux dire, ok, ben, actuellement, ce que je vois, c'est que je dois faire quelque chose et puis venir combattre Satan. Ok, je dois faire quelque chose et puis venir, je dois chercher plusieurs sources, je peux dire ça, je dois chercher plusieurs sources de revenus et venir combattre Satan. Mais lorsque je vais parler à Dieu, il peut me dire autre chose. Il peut me dire non, ne fais pas comme ça. Ok, donc je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée pour vous montrer pourquoi je dis qu'il faut être connecté. Pourquoi c'est vraiment important d'être connecté à Dieu? Pourquoi c'est important de parler à Dieu? Ok, j'avais l'histoire, je l'ai déjà racontée ici. You are talking to me? Non. Ok. Donc, l'histoire... No. No. Bring it back there. Ok, go back to your room. Okay, sit down in the couch over there, in the kitchen. Donc, que l'Esprit de Dieu nous aide. Merci, Saint-Esprit, pour tout, pour ta puissance. Donc, comment Dieu règle les problèmes souvent? C'est dans le calme. Hier, là, j'étais embrouillée. Okay? Lorsque je suis embrouillée, vous ne me voyez pas, je ne fais pas des vidéos. C'est lorsque je suis calme. C'est lorsque je suis dans la tranquillité.